Et le deuxième déchirement, bien sûr, de Stefan Zweig, c'est l'effondrement de son rêve européen. C'est la Deuxième Guerre mondiale, c'est le nazisme et la Deuxième Guerre mondiale, et c'est ce qui a mené à son tragique suicide au Brésil, qui incarne un peu, qui représente, qui symbolise l'effondrement d'une idée, l'effondrement d'une volonté d'épouser la culture européenne, qui représente la volonté d'embrasser la modernité avec avidité, avec passion. Et le livre posthume, édité à titre posthume, Les souvenirs d'un Européen, Le monde d'hier, de Stefan Zweig, qui est une des œuvres les plus importantes du XXe siècle, traduit cet échec terrible. On n'a pas fini de mesurer les effets produits par la destruction des Juifs d'Europe, par les nazis et leurs collaborateurs, qui ont été, on le sait, très nombreux, et une destruction qui a concerné les deux tiers de la population juive européenne. Bien entendu, non seulement, et c'est le principal, les populations juives ont été décimées par la Deuxième Guerre mondiale, mais que cette culture juive d'une remarquable efflorescence, d'une remarquable vitalité, d'une dynamique sans pareil auparavant et par la suite, a été anéantie. Face à l'ampleur de la destruction des Juifs d'Europe, face à l'ampleur de ce phénomène, certains intellectuels juifs, au sortir de la guerre, pensent et écrivent qu'à leurs yeux, eh bien, l'histoire des relations entre le judaïsme et l'Europe est un chapitre clos de l'histoire. Gershom Scholem était tellement persuadé qu'il n'y avait vraiment plus rien à faire en Europe pour les Juifs, qu'il a, par exemple, pensé que les bibliothèques juives qui continuaient ou qui subsistaient partiellement ou qui allaient récupérer des livres que les nazis leur avaient confisqués, allaient envoyer tout ça, ce matériel, soit aux États-Unis, soit à l'université hébraïque de Jérusalem, que c'était là leur place, c'était plus en Europe, vous voyez. Ce à quoi il a pu se rendre compte qu'il n'a pas rencontré des suffrages très enthousiastes des juifs qui étaient là. À cela va se superposer un autre discours, qui est au contraire un discours de totale continuité du rapport à l'Europe et du rapport à l'émancipation, qui est un discours qui voit les années de guerre et le génocide comme une simple parenthèse qu'il va falloir aussitôt refermer. Cette idée d'une parenthèse malheureuse, on la retrouve en particulier dans le premier roman de Romain Gary, qui est rédigé alors même que la guerre n'est pas terminée et qui sera publié sous le titre d'Éducation européenne. Romain Gary pense à l'époque que le nazisme n'est qu'un accident dans l'histoire de l'Europe, une accrétion accidentelle à l'histoire de l'Europe, et que celle-ci est en train de se régénérer et de se purifier dans la résistance. Donc cette idée de la parenthèse figure dans le Romain Gary d'Éducation européenne. Elle est beaucoup moins évidente dans le Romain Gary de Europa une trentaine d'années plus tard. L'Europe sans juifs, d'un autre côté, c'est pas vrai. C'est pas vrai, l'Europe. C'est une figure de rhétorique. C'est la lettre de Gershom Scholem à Walter Benjamin en 40. Mais c'est pas vrai, ça n'existe pas. D'abord, il y en a qui sont revenus. Ensuite, il y en a qui sont restés. Cette question du rapport des juifs à l'Europe, elle occupe une place centrale dans un des romans de Philippe Roth, qui est publié en 1995 et qui s'appelle Opération Shylock. Donc Philippe Roth est, comme chacun sait, un juif américain. Il est important ici de le rappeler. Et dans ce roman, il se met en scène lui-même, ou il met en scène en tout cas un Philippe Roth narrateur, qui se rend en Israël pour interviewer son alter ego, l'écrivain Aaron Appelfeld, qui est un survivant du génocide. Sur place, il assiste également au procès d'Emmanuel, qui est accusé d'être un des tortionnaires principaux du camp de Treblinka. Et donc, autant dire que l'ombre du génocide plane évidemment sur ce récit. À ça s'ajoute que, sur place, le Philippe Roth narrateur est confronté à un double, à un deuxième Philippe Roth. Et Philippe Roth, auteur cette fois, laisse continuellement planer le doute quant à savoir si ce double est un usurpateur de chair et d'os ou bien, un dédoublement de la personnalité du narrateur qui, à l'époque, prend de puissants analgésiques pour soulager des mal de dos chroniques. Or, ce double, en Israël, prononce des discours, écrit des tribunes pour appeler les Juifs ashkénazes d'Israël à rentrer en Europe où se trouve
eh bien, leur destin, qui est le lieu de leur destin. Et face à ce double, vous savez bien que le narrateur est particulièrement ennuyé, eh bien, Philippe Roth, auteur, cette fois, place un deuxième personnage, qui est celui de David Supoznik, qui est un libraire et antiquaire, et qui vient rencontrer le Philippe Roth narrateur, pour essayer de le convaincre, c'est une forme de vaudeville tragique, que l'Europe n'est en aucun cas un lieu où le judaïsme peut vivre et s'épanouir. Selon lui, l'ombre de Shylock plane et planera sur l'Europe. L'Europe n'est qu'un repoussoir, un mouroir pour les juifs, et leur place est donc principalement en Israël. Et donc au milieu de tout ça, le lecteur, et peut-être Philippe Roth en tant qu'auteur, eh bien, se trouve plongé dans une profonde incertitude. Quelque chose de fondamental s'est brisé, quelque chose d'essentiel s'est brisé, et puis ça n'est pas, je ne sais pas si l'historien peut déjà répondre à la question de savoir si est-ce que cette brisure a été définitive.